Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous catéchétique sur les temps liturgiques de la vie de l'Église. Après la rubrique intitulée « La minute de l'Avent », nous vous proposons pour ce nouveau temps de l'Église une nouvelle rubrique intitulée cette fois-ci « Petite catéchèse pour le temps de carême ». Le premier numéro de cette rubrique est intitulé « Le carême, la cendre ». Il s'agit pour nous de comprendre ce qu'est le carême et de voir pourquoi commence-t-on le carême avec l'imposition des cendres. Pour faire court, nous dirons que le carême est un temps de marche au désert avec le Seigneur Jésus, un temps de retrait, un temps de jeûne et d'abstinence. Les 40 jours de marche pour se préparer à Pâques nous rappellent les 40 jours de retrait de Jésus dans le désert, dans le jeûne et la prière. C'est un temps de conversion, un appel à la conversion et à marcher avec le Seigneur pour se préparer à Pâques. Le carême commence par l'imposition des cendres le mercredi, dit mercredi des cendres. Ce geste pieux nous rappelle la symbolique de la mort, pour dire que l'homme est poussière et qu'il retournera à la poussière. Mais cette symbolique fait appel à l'espérance, car la finalité de tout cela, c'est la joie de la résurrection, la joie de Pâques avec le Seigneur ressuscité. Dans nos prochains numéros, nous vous parlerons des piliers du carême, par exemple. Sur ce, nous vous souhaitons un très fructueux temps de carême et une bonne marche vers Pâques. Bon temps de carême à tous et à chacun.